Nicki Minaj. En vrai, des vrais. Regarde. Quoi, attends, sinon la carte, ça dit quoi là? Bah, j'en sais rien. Ça dit, ça c'est la maison de Mahmoud. Ça c'est Ben Abbas. Attends, comment? Première virée entre filles, premier délire, direction Villa de Star. On rigole, on se prend plus au sérieux, franchement, on délire. Non mais guette les baraques, regarde les baraques, c'est un truc de fou. Non mais moi, je voudrais juste une porte de garage comme ça. Avec le numéro de garage, tu vois. En vrai, si t'as investi au bled, t'as la même baraque. Non mais là, je crois qu'on arrive à côté de la maison de Maria Carré. Ah ouais? Ouais. Mais vous vous rendez compte que c'est Maria Carré quand même. Maria Carré, ça a toujours été un rêve d'enfant de la voir en vrai. J'ai grandi avec ses musiques. Et là, d'un coup, bah, tu dis la meuf, elle est à 1 km de toi, t'es juste là. Encore qu'on l'a, encore. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, je crois. Oh, je vois pas trop bien avec le portail. Ah ouais, elle a sauté, elle a pas tendu la porte. Grave. Et là, bah, je décide carrément d'aller au culot, qui ne tente rien à rien. Et maintenant, ça paye ou ça paye pas, j'aurais rien regretté, comme j'ai dit, on vit qu'une fois. Attends, y'a écrit quoi sur la pancarte? Y'a pas marqué, oh. Sonne. Maria! Toi, tu faisais Maria! Maria! Oh là! This is Tina? Oh, punaise! Yeah, can you open the door? Yeah, who is it? We're French girls, we would love to see Maria Carey. Oh, you've got the wrong extension, sorry. Where is it? I have no idea. Thank you. Please remove yourself from the property. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Excusez-moi. Elle est malade. Ouvrir la porte. On doit voir Maria Carré. C'est la femme de ménage. La meuf, je pense qu'elle a senti un peu la carotte. Parce que nous, on était tellement excités derrière, elle a dû entendre les voix ou les rires et tout. Donc du coup, on a sonné une fois, deux fois, trois fois. Et là, on voit un mec sortir de nulle part. Il était au bout de sa vie. Algérie, et qu'il avait fait un footing et tout. See you guys. She doesn't live here, guaranteed. She doesn't live here. Okay. Thank What? You. Elle habite pas ici. Si, elle habite ici, mais ils veulent pas le dire. Bah oui. Parce que sinon, la sécurité ne serait pas sortie. Donc là, c'est clair, j'ai envie de dire mon rêve américain, j'ai pas envie de le passer en cellule. Donc on va se calmer cool. Tout le monde est vraiment au taquet, tout le monde est vraiment enthousiaste. Et donc voilà, on est très contente, c'est très cool. Une fois qu'on est dans la voiture et qu'on s'approche des rues où vivent bah, toutes les stars, franchement, à ce moment-là, je suis bouche bée, je suis émerveillée. Limite, ils sont voisins. Donc, faut être une star pour habiter là-bas. Ils peuvent dîner les uns chez les autres, tranquille. C'est un truc de fou. Tom Cruise. On est là. On est là. Tommy. Voilà la maison de qui c'est. Allô, Tom Cruise. Donc, excuse-moi. Hello, Tom Cruise. I'm a French girl, Sarah. I love you. And you, me too. And you, me too. He waiting Sorry, for me. The wrong house. No, it's Tom Cruise. Tommy, it's me. Elle a raccroché. Et au final, personne ne nous ouvre la porte. Donc là, on décide de tout simplement rentrer. Et sur le cours de la route, on voit plein de villas, d'autres stars. On regarde à gauche, à droite. Tu sais même plus où donner de la tête. Et là, oh, on dirait Nicki Minaj. Oh, Nicki Minaj. C'est pas elle. Non, c'est sa sécurité, la vie de ma mère. Je sais pas, ma mère, son garde du corps, par contre. Ah là, c'est la dinguerie. Tu vois Nicki Minaj en plein milieu d'une rue. En train de faire un footing. Ça fait 2 heures qu'on est à Los Angeles, on voit déjà une star quoi. Nicki Minaj. Nicki Minaj. En vrai, des vrais. Des anges, ça commence grave bien. Ça commence grave bien.